congolaise, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Mboka na biso. Protocole respecté au centre de coordination des opérations militaires de Goma. Le commandant de grandes unités entre au présent à l'invitation du commandant des opérations militaires en province du Nord Kivu ce 20 mars 2023. Dans cette réunion de prise de contact, le lieutenant-général Constant Dimakomba, gouverneur de la province du Nord Kivu et commandant des opérations militaires, réarme le moral et donne des directives dans le sens du rétablissement de la paix et celui de l'autorité de l'État. Un message très fort qui doit être relayé dans les différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. J'ai choisi cette journée pour ma première réunion de prise de contact. Au cours de cette réunion, nous avons donné des instructions claires aux unités. C'était aussi une façon de connaître les commandants des grandes unités et leur faire passer des messages assez clairs en rapport avec les opérations. Comme vous le savez, nous venons d'avoir un changement au niveau de la compte des opérations. Alors, en ce qui me concerne, il faut aux unités un réarmement moral. Et c'est ce que je venais de faire à travers l'échantillon des commandants des grandes unités. Pour que chacun, en ce qui les concerne, descende aux unités pour transmettre les idées, la voie que le commandant des opérations les a tracées. Donc je crois de cette façon que les unités vont vraiment se remémorer pour dire que nous prenons les choses sérieusement. La région militaire, le service de renseignement de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, la justice militaire et le cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu ont pris part à cette réunion des hautes factures. Nous ne sommes pas au Nord Kivu en tourisme. Nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. Propos du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakanga, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise en reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant-général Mbangu Mashita Marcel a remis la conduite au lieutenant-général Constant Dima pour la poursuite de la mission des défenses de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise reprise s'est effectuée. Constant Dima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise,
pour sa confiance renouvelée à ma personne. Et je lui promets, en tant que mon commandant suprême, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission ici au Nord Kivu. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être disciplinés autour de ma personne pour qu'ensemble nous arrivions effectivement à l'objectif nous assigné, c'est-à-dire la paix au Nord Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant-général Mbangu Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la troisième zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Nous estimons que nous allons garder contact avec vous parce que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les relations. Au finish, nous gardons la même responsabilité en tant que militaire, c'est celle de défendre notre nation. Cette cérémonie de passation de conduite des opérations s'est déroulée dans une ambiance cordiale au centre conjoint de coordination des opérations à Goma. Le général-major Clément Bitangalo vient de prendre les rênes du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce 20 mars 2023 à Goma. À l'occasion, il a remercié le général de brigade Moyo Richard qui a tenu pendant son absence l'intérim à ses postes, à qui il promet d'ailleurs recours en cas de besoin. Pendant la période de mon absence, avec toute cette difficulté que vous avez connue en tant que commandant, vous avez su rassembler tout l'état-major mené avec leadership, tous les officiers et nos troupes sur le terrain de bataille. Ce n'est pas une tâche aisée, ça a été un challenge, mais vous avez su maintenir ces hommes sur le front malgré quelques difficultés. Au-delà de ces remerciements, je voudrais vous dire combien nous allons toujours continuer à faire recours à votre expertise. Bien qu'étant déjà parti, chaque fois que ça sera nécessaire, on ne manquera pas à faire appel à votre expertise pour que cela puisse continuer à nous aider pendant la conduite des opérations et au moins de votre absence. Mon général, encore une fois, merci. La carrière est encore longue. Nous sommes collègues, nous sommes compatriotes. Nous travaillons sous les drapeaux, ça fait longtemps, ensemble. Et donc, nous continuerons à travailler ensemble tant que l'État le voudra. Tené, le général-major Clément Bitangalo Boulimé est secondé par le général de brigade Alain Koulou Ilunga. Il va se déployer très bientôt dans la zone de la Ruindi. Pia, lazima sisi kuhakikisha kwamba tuna operate kulingana na sheria na katiba ya nchi. Le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général-major Jeff Niaga, a tenu une causerie morale jeudi 16 mars 2023 à l'aéroport international de Goma à l'intention de la troisième vague de troupes de la force de défense nationale du Burundi venue dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les missions de la force régionale, la protection des personnes et de leurs biens, l'intégrité territoriale du pays ont été les points
point clé de son adresse. Le général Jeff Nyaga a également appelé les contingents burundais à l'amour, à la discipline et au respect des lois du pays. Profitant de l'occasion, le commandant adjoint chargé des opérations et renseignement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général de brigade Kaputa Emmanuel, s'est aussi adressé aux troupes et leur a souhaité la bienvenue. Soyons derrière le mandat des chefs d'État pour faire la paix dans la région de l'Est. Nous vous souhaitons la bienvenue. En ces jours, l'aéroport international de Goma devra encore accueillir d'autres contingents burundais. C'est une journée spéciale pour les centres d'entraînement des troupes de parachutistes commando qui vient de dévoiler les secrets de la première étape consacrée aux démonstrations au sol. C'est là après 18 mois de formation à la base Lumwin, grâce à la volonté du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut faire de l'armée une armée modernisée apte à faire face à toutes sortes d'éventualités. Voici la preuve. Cadres constituent les premiers bataillons de parachutistes commando utilisés à ce jour toutes les matières reçues durant les 18 mois à travers les différentes démonstrations qui prouvent qu'ils sont capables de franchir les caps. La deuxième étape qui reste à franchir sera consacrée aux démonstrations au vol. Rappelez que ces 824 éléments sont formés par les instructeurs congolais avec à la tête le colonel Dem et si comme on gâte Tony. Voilà la méthode de mon recours. Six militaires, deux policiers condamnés ont bénéficié de leur mesure de grâce suite à l'ordonnance présidentielle numéro 22-254 du 27 décembre 2022 portant la mesure de grâce. Cérémonie devant la maison incarcérale de la prison centrale de Kisangani, c'est samedi 18 mars 2023, en présence des représentants des gouverneurs de province de la Tchoupo, M. Sam Yakusu, et d'autres autorités de la justice militaire et civile. Les sages conseils ont été donnés à ces jeunes Congolais qui viennent d'avoir leur liberté. 10 parmi eux doivent piliger encore leur temps dans la maison incarcérale, 5 ans sur la réduction de leur peine. À l'audience du mercredi 8 mars 2023, tenue à la prison militaire de Ndolo, le ministère public a requis la peine de mort pour chacun des 6 prévenus accusés de meurtre de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, l'organe de la loi, représenté par le capitaine magistrat Bamusamba Kabamba Godé, a indiqué qu'au total, 3 victimes, à savoir l'ambassadeur Athanasio Luka, son garde du corps Victorio Lakovassi et son chauffeur Mustapha Milambo, avaient été kidnappés dans la localité de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, avant d'être exécutés le 22
février 2021 aux abords du parc national de Virunga. L'un des prévenus est en fuite et sera jugé par défaut. Auparavant, les avocats de la partie civile ont plaidé pour la condamnation de tous les prévenus au paiement d'un montant de 60 millions d'euros pour tous les préjudices confondus. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par le major magistrat Eoumen Pierre Freddy, prendra à prix l'affaire en délibéré pour rendre son jugement à la huitaine, c'est-à-dire le 21 mars 2023. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'ordre de séjour est une prestation pour la prestation à l'ordre. Pardon, major. Le sous-commissaire Mukenge Mukenge, agent de renseignement de la police nationale congolaise, a témoigné jeudi 16 mars 2023 devant la haute cour militaire à Kinshasa dans l'affaire de meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. Pour le renseignant, la prévenue commissaire supérieure Lokeso Koso Karine avait donné l'ordre au prévenu brigadier en chef Tokis Kumbu Gérard de tirer sur la victime lors de la marche organisée le 25 février 2018 à Lemba par les chrétiens catholiques. La cour a appelé à la barre la prévenue Karine pour savoir sa réaction à cette version des faits. Cette dernière a reconnu le sous-commissaire Mukenge Mukenge comme un agent non apparent de la police nationale congolaise, mais a rejeté ses dépositions. Tandis que le prévenu Tokis dit ne pas connaître ni la personne ni ses déclarations. Qu'à cela ne tienne, la cour a constaté une évidence dans la mesure où le renseignant Mukenge Mukenge a confirmé l'assaut donné par le commissaire supérieur Lokeso, déjà déclaré dans un procès verbal du prévenu brigadier en chef Tokis. La prochaine audience sera consacrée à l'exploitation du rapport médical et de l'expertise en balistique. Pour la défense de la prévenue Lokeso, l'auditeur général, ministère public, doit tirer les leçons de tous les revirements du renseignant Mukenge Wamukenge. La nouvelle équipe dirigeante de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a été présentée jeudi 16 mars 2023 au personnel militaire et civil du corps de protection de parcs nationaux et des aires protégées par son commandant le général-major Masibamba Albert. C'était au cours d'une parade présidée au quartier général de ses corps situés à la commune de Gombe. A cette occasion, le commandant du corps PPN leur a souhaité la bienvenue. La nouvelle équipe de l'Institut congolais pour la conservation de la nature est composée des présidents du conseil d'administration, le directeur général et son adjoint. Après leur présentation du personnel militaire et civil, cette structure paramilitaire, la délégation a visité les locaux de l'état-major du corps PEPEN et les bâtiments en pleine construction. Les difficultés et les recommandations ont été soumises à la nouvelle équipe de l'Institut congolais de la conservation de la nature au cours d'un briefing organisé dans la salle des réunions du jardin botanique de Kinshasa. Reconnaissant les sacrifices consentis par les éco-gardes, le directeur général de l'UCCN Yves Ngangaï Mila a dit qu'opter sur les gardes-parcs et a promis d'améliorer leurs conditions sociales de leur famille. C'est la première fois depuis qu'on a été nommé. Le corps pépé, comme je venais de le dire, c'est une structure qui travaille avec, qui est dans l'ICCN, ce n'est pas un électron libre, il dépend directement de la direction générale. On est venu pour voir comment il fonctionne, le bureau d'abord, les locaux, les conditions dans lesquelles il travaille, les doléances, quelles sont les difficultés, les recommandations, et même les suggestions. Nous ont proposé là, je pense qu'on est en train d'y travailler. Il y a, comme le PCA venait de le dire, c'est vrai que le changement fait mal, mais on est obligé de changer les choses. Il faut s'aligner par rapport à notre vision pour l'avancement de l'UCCN et pourquoi pas de la République. Il s'y est de signaler que cette structure paramilitaire de l'ICCN compte 5 ans d'opérationnalisation depuis sa création. La troisième catégorie des intérêts
de la nation. Et là, on voit, on le qualifie des intérêts majeurs. Les intérêts majeurs, on peut voir par exemple la forme de l'État. Nous sommes un État de droit, nous sommes un État laïque, nous sommes un État démocratique. Si ce processus est menacé, eh bien, là, on ne va pas faire recours aux forces armées, mais on peut voir comment on peut résoudre ça en interne, au travers des négociations, ainsi de suite. Et d'autres catégories d'intérêts, ce sont des intérêts qu'on appelle des intérêts périphériques. Par exemple, on va vous dire, bon, il faut promouvoir les droits de la femme, il faut promouvoir les droits des enfants, il faut promouvoir les droits des êtres humains en général. Et là, on n'a pas besoin de recourir aux forces armées. Ça passe par l'éducation, ça passe par les organes d'appui à la démocratie, et les autres, les droits de vote, ça passe par les institutions comme la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour organiser toutes ces élections. Voilà un peu, grosso modo, messieurs les chevaliers de la plume, ce que je peux vous dire, et ce qui concerne les intérêts supérieurs de la nation, qu'on peut également qualifier des intérêts stratégiques de la RDC. Alors, puisque nous y sommes déjà, il y a ces intérêts-là, ces discussions par rapport à ces deux, dans les intérêts de survie. Nous avons, au début de cette émission, nous avons expliqué qu'il y a eu plus de 24 ans déjà depuis que la RDC est agressée. Ce sont les intérêts, ces intérêts-là dont vous venez de parler, qui sont menacés déjà. Alors, comment la population peut être à ce niveau ici, quoi sensibiliser pour savoir que nous sommes menacés, la République démocratique du Congo, savoir que nous sommes menacés et chercher à défendre ces intérêts-là. Je voudrais d'abord définir ce qu'on appelle par intérêt. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso.